Salut les petits loups, on se retrouve dans une Trick Track TV super rapide parce qu'on ne savait pas où aller manger. On s'est dit, tiens, on va aller chez Quicomino. Et Quicomino, c'était un petit jeu. Donc je viens d'apprendre que c'était une collection qui s'appelait la gamme carrée. C'est ça C'est bien que tu me ça. disais, monsieur Julien Piatnik, qui est à mes côtés, venu présenter. Et juste en face, la ravissante, Valentine. Valentine, toujours de chez Piatnik. Toujours. Qui est venu nous présenter un petit jeu avec des sortes de dominos, d'où le titre Quicomino, je suppose, qui est un jeu à partir de 6 ans, donc extrêmement abordable. Et vous m'avez dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que c'était à divers degrés adaptable, qui Exactement. se joue de 2 à 4 et qui se joue pendant. Vous mettez pas le C'est un jeu temps. assez rapide, il joue en 5 minutes, je Ouais. C'est crois. quick. C'est Oui, parce quick. qu'il y a marqué quick dessus, donc forcément. Et là, je vois un jeu de pause rapide et captivant. Ils n'oublient jamais de dire de. Hein, c'est vrai que c'est Non. de 4 joueurs, dès 6 ans, voilà. Et attention, très important, licence BD 2005 IGA, parce que ça, c'est quand même, il faut le savoir. C'est un jeu de qui? C'est un jeu de qui? Il y a le nom dessus. Oui, Ignacy Gila Agut. Waouh! Enchanté. Enchanté, mais je ne connaissais pas. Donc, Piatnik, éditeur autrichien. Et donc la règle, voilà, tout ça va là-dedans. Ça, on n'en a pas besoin. Le matériel est posé sur la table. Il consiste en un certain nombre de tuiles avec quatre images dessus et différentes couleurs que je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais. Donc, il y a trois couleurs. Il y a le bleu, le Oui, vert et le rouge. le bleu, Il y a 9 tuiles bleues, le bleu, le vert 25 tuiles vertes et le rouge. et 49 tuiles rouges. Donc, on Avec joue. des petits dessins dessus et dessous d'ailleurs, parce que c'est. Et Voilà. en fait, dessous, c'est pas la même couleur. Voilà. C'est suivant la configuration de jeu, on décide de jouer avec les côtés rouges. Donc, c'est 49 D'accord. tuiles. Donc Voilà. les Ou les rouges, en fait, verts, elles ou les sont. En fait, bleus. la couleur, c'est le niveau du Si on les jeu. C'est retourne, ça. C'est pas, je voilà. pensais pas les couleurs des joueurs. Non. D'accord. Je me disais, il y en a un qui vont en avoir moins, Non, c'est ouais, idiot. non. Et On est donc, on peut malin jouer. chez Piatnik. Ouais. Et donc, à 9 tuiles, ben, on joue à partir de 6 ans. Oui. Voilà, et à 49 tuiles, c'est plutôt pour adultes. Et on se D'accord. répartit les tuiles On fait quoi comme équitablement. version, nous? Ou c'est aussi en fait selon le nombre de joueurs, parce qu'on a si on a deux enfants de 6 ans, bon ils vont jouer avec les bleus. Par contre, s'ils sont 4 ou 5, ils peuvent tout à fait jouer avec les verts ou même avec les rouges, c'est possible. D'accord. C'est en fonction de l'âge et du nombre aussi. Ok, Voilà. Nous, ben, vous allez on nous montrer va ça. tenter le Je vais vert. reprendre ça. Donc, du coup, on joue avec lesquels, nous? Les On va jouer avec les vertes. vertes. Ah, parce qu'elles sont pas. Il y en a qui n'ont rien derrière. C'est les rouges. En fait, elles sont toutes les bleues Oui. au dos, elles sont rouges. Les vertes au dos, elles sont rouges. Et il y a des rouges qui au dos ne sont rien du tout. D'accord, ok. Il Voilà, y a une facile. combinatoire. Nous, on joue avec Donc les verts. on joue On avec joue les avec les verts. verts. Ouais. Il y en a 25 au total. Ouais. Moins une qu'on va laisser au centre. Ça fait D'accord. 8 chacun. Je remonte mes manches. On les Ah, retourne. on est là, on les a à nous. On les retourne? On On les explique retourne. le principe d'abord ou pas? Ouais. Peut-être. Vite C'est plus fait. facile, non? Oui, parce Non. que je sais, moi, après, j'y vais. Hein. Je m'en fous. Hein. Non. Le principe, il J'invente. est hyper simple. Oui. Le but, c'est de joindre des tuiles Ouais. entre elles en mettant des couleurs proches les unes des autres. Donc, par exemple, ici, je mets deux poivrons, l'une à Ah, côté de c'est des l'autre. poivrons. Ok, d'accord. Voilà. Et Ouais. donc, il faut se débarrasser le plus vite possible de ces tuiles. On joue Ouais. tous en même temps. Hyper simple. Un peu moins. Il y a une petite règle. Voilà. Non, c'est pas ça. On recommence. Quicomino! Allez. Bon alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, il faut pour s'en débarrasser, il faut les Ah coller oui, il faut image les contre coller, image. d'accord. Ok? Et donc, quand je vais dire Quicomino et que je vais Oui, mais tourner comment la on sait tuile ce qu'il y a centrale, derrière? On sait pas. on va la Ouais, retourner fais tous ensemble. retourner. Mais toutes? Tout ensemble. T'es prêt? Ouais. Technique. Quicomino, tac! C'est idiot, c'est idiot, idiot, idiot. Alors, Hop! Oh, je sens que je vais pas aimer. Moi, je Allez. fais une ligne. Ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas, si, ça, je l'ai pas. Quicomino! Bien joué! Et Pardon. fais pas le bazar, là. Pardon. Ça, 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 d'accord. Arrêtez, stop, je vous demande 5 minutes. Ne respirez plus. J'ai mis la tortue. Hein. Non, j'avais ça. Ah non, je l'ai déjà posé. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible. Tac. Ça, on sait pas où c'est. Pourquoi pas tout Attention, mis? attention, la victoire est pour fini. Et on finit quand même. Oui. On Ça, finit je quand mets. même. Vous m'auriez dit ça avant, je me doutais un petit peu. Donc je suis deuxième, Voilà, cette bah, si, fois-ci. écoute, c'est parfait. C'est Hop, bon, et voilà. bravo, bien joué.
Bon, et donc à chaque fois, on arrive à faire, si on reconstitue, ouais, on doit arriver à faire un carré. Ouais, c'est regarde toi ton petit cupcake là, il va ici. Non, non, mais j'ai fait n'importe quoi à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Et donc ça se recompose en carré. Ça se recompose en carré. Ouais, par exemple ici, celui-là. On peut, ici. Ah, on peut se faire un petit solitaire, c'est ça? Celui-là, il va ici. Celui-là, celui-là. Ah, ça c'est n'importe quoi. Tac, ouais, on a été pollué. C'est n'importe quoi, c'est quoi ce travail? Hop. Je vais vous dire que ça, ça irait là. C'est dingue. Et le dernier, c'est le dernier, incroyable. Le dernier. Voilà. D'accord. D'où les 5 par 5, 25. Donc ça colle toujours, on arrive toujours à mettre cette huile, son bricomino, et ça part dans une direction un peu imprévue. D'accord, donc il y a un petit côté, effectivement, un petit côté double pour citer un jeu bien connu. Ça coûte combien? Ça coûte 15 euros, ouais, 14 euros. Environ 15-14 euros. Ça se trouve déjà en boutique? Dans les meilleures boutiques. Ouais, c'est sorti quand ça? C'est sorti l'année dernière, il y a un an, mai 2013. Ah oui, d'accord. Donc ça fait quand même partie de vos derniers petits. Ouais. D'accord. Et donc quand on joue avec les bleus, oui, ça doit aller très vite pour les petits. Ça va petits, très vite pour les petits. Ouais, moi je vais peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on aurait bleus, dû. Ouais, on aurait même avec dû les bleus, je ne suis pas sûr que j'aurais. Non. Alors voilà, c'est le problème. C'est un petit peu le souci quand il faut être un petit peu rapide comme ça. Enfin bon. Bon, vous savez tout à peu près. Voilà, voilà. Alors là, dans le genre quick, on ne peut pas faire mieux. En tout cas, merci d'être venu. Vous repartez rapidement. Et nous, on embraye extrêmement. Merci pour nous avoir suivis. C'était Hermes Zer, sur le fait d'être le coup de monnaie, sur le patron, sur le comme n'importe quoi.